Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère, ma santa, benito, benito de ma santa. Allez, partagez, mettez assez de cœur. Nous allons dire merci au Tout-Puissant Allah parce que du jour au lendemain, Dieu est en train de donner raison. Dieu est en train de démasquer les malhonnêtes. Inch'Allah, avant la fin de cette transition-là, c'est Dieu qui va nous aider d'abord à se débarrasser de plus grands fardeaux. C'est-à-dire, Dieu va se battre, Dieu va nous aider à nous d'abord c'est-à-dire à se débarrasser du gros lot avant les vrais événements. Inch'Allah, partagez, mettez les cœurs, c'est bénito. Nous avons tous vu aujourd'hui, vers la soirée, le limosage d'un quelqu'un qui disait devant le monde entier que, excusez-moi, je vais l'aider un peu. Devant le monde entier, il a rêvé, selon il est Waliou, selon il est, je sais pas, selon lui, il est, je sais pas quoi, que Dieu l'a donné une vision, il va remplacer Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a été limogé. Mais pour le moment d'abord, nous allons nous aussi lancer cette petite chanson. Doumbouya Gologuémé, voilà. Amara Gologuémé, bravo. Djibaya Kité Gologuémé, encore, comment il s'appelle? Baouri Gologuémé, comment il s'appelle là? Les membres du Seigneur de Gologuémé, qui est encore Gologuémé, voilà. Comment il s'appelle même encore? Amadou Doumbouya Gologuémé. Qui a encore Gologuémé? Voilà, toute la famille Doumbouya Gologuémé. Voilà. Oh Gologuémé. Gologuémé. Oh, Doumbouya Gologuémé. Doumbouya Gologuémé. Doumbouya Gologuémé. Amadou Doumbouya Gologuémé. Voilà. Papa Fofana Gologuémé. Obinin Gologuémé. Idi Amin Gologuémé. Non, Idi Amin, bon. Idi Amin, il y a la femme là qui a dit que de demander qui a zoomé sur ses testicules. Voilà. Idi Amin Gologuémé. Doumbouya Gologuémé. Idi Amin Gologuémé. Doumbouya Gologuémé. Bravo. Takana Gologuémé. Bon. C'est comme ça. Balassa, voilà. Balassa Mura Gologuémé. Idi Amin Gologuémé. Voilà. Donc, c'est ça. Obirin Gologuémé. Autant membres du Seigneur, les supporters de ça. Obirin Gologuémé. Donc, Gologuémé. Il paraît qu'on doit chanter ça maintenant à chaque direct. Oui, alors on a qu'une. Merci. Nous disons d'abord aux femmes de Koya. Mangez-vous. Aux femmes, à toutes les femmes de Koya qui sont en train de manifester actuellement là. En ce moment où je vous parle comme ça. Elles sont en train de crier, de manifester. Ils sont en train de. Parce qu'il a plu aujourd'hui à Koya. Presque, il n'y a pas de debout, il n'y a rien. Lorsque nous avons dit ici qu'il n'y a pas de route, parce que ce n'est pas d'abord nous qui avons commencé à mentionner cela. C'est les défenseurs de Doumbouya qui parlaient de 2000 km. Il y a eu des commentaires en bas de ce message pour dire, allez-y voir la Koya. Et lorsque nous avons signalé ça, c'est le ministre du budget même qui est venu confirmer. Il dit, il suffit d'aller à Koya, de Koya jusqu'à Devalba. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de route dans ce pays. Merci beaucoup, Diadé, voilà. Tous les cocos de Seigneur de Gologuémé, c'est ça. Donc, en ce moment, jusqu'à 20h, les femmes étaient en train de manifester. Il a pris à part. Il y a un individu, selon les informations, qui a fait venir des musiciens de l'étranger à hauteur de combien? C'est incroyable. En tout cas, j'ai envie de vérifier si c'est vrai. À plus de 40 000 dollars. Ils ont fait venir les musiciens pour un concert du 5 septembre. Normalement, aujourd'hui, c'est qu'a fait le RPZ Arc-en-Ciel. Andy Ofosine, Andy Barkab, la RPZ Mobé. Le RPZ a levé un bœuf. Un bœuf. Le RPZ a levé un bœuf à Siguiri comme sacrifice du 5 septembre pour les victimes. À la Saraka, RPZ, bravo. Le RPZ a levé. Nous dirons pas le nom de quelqu'un. Saraka Bonneau, pour toutes les victimes, pas les victimes du RPG, tous ceux qui sont morts le 5 septembre, où les bonnes. Ah non,
C'est-à-dire ma cousine là me fatigue tellement, Mariam Bala, elle me fatigue tellement, elle dit qu'elle comprend pas Zouzou. Et même en la voyant comme ça là, elle comprend tellement très bien Zouzou là. Ayam, d'accord. Donc, merci à la, aux femmes de Koya. On a enfin la Moubiri Mbarame. Voilà. Mais, je voudrais aujourd'hui m'adresser à M. Bailali. M. Bailali, ce n'est pas moi, c'est une sœur de Dingray qui m'a tagué. Moi, je viens juste de rentrer. Je viens juste de rentrer. Voilà. M. Bailali, je pouvais faire ta campagne aujourd'hui. Je pouvais te défendre. Parce que là, les causes pour lesquelles vous avez été débarqué, et toi, et ça, c'est, on dit que les résultats sont insuffisants. Au nom de tout puissant Allah, je pouvais me battre pour défendre. Mon débat ce soir-là, c'était par rapport au message entre certains responsables du CEREC et du CEREC de Ousmane Gawal et moi. Les messages sont là. J'ai fait les captures d'écran. Je devais rappeler à ces petites personnes que moi, je m'assume. Mais à cause de ce que je t'avais promis, tu as dit devant le monde entier, selon les informations qu'on avait reçues en ce temps, après nous l'avons vérifié, que Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une lumière que tu seras le remplaçant de Doumbouya. Ne m'en faudrait, il n'est qu'en faut, parce que tu comprends très bien Poula, tu comprends très bien Malinké. Heureusement, tu comprends toutes les deux langues suffisamment et très bien. Mais ce que tu ne savais pas, Imal, on consomme dans un régime d'ethno. Tu ne sais pas ça. Il y a des bonnes personnes qui ont enregistré la partie de ma vidéo. Et ils ont gardé. Au moment où je vous parle comme ça, allez-y vérifier partout. Doumbouya est arrivé en Inde, discrètement. Adjagal de Bali, comment vas-tu, oui? 3 avril, comment vas-tu, Adjagal? Lonoï, comment vas-tu? Allez-y vérifier. Personne ne viendra vous dire ça. Il n'y aura aucun communiqué autour de ça. Nous savons officiellement que le président Oumarou Sissoko Mbalo doit aller en Inde. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Merci, Vadema. Merci, Ismaël. Adiva, 30. Ça, c'est officiel. Mais Mamadi Doumbouya, selon un élément des forces spéciales, a décidé de faire un show en Inde. Doumbouya Mbarafé, même si tu enlèves tous les karamokos du monde, ta maman, ta propre mère t'a dit, parce que ne m'a faux, ils seront là les cafouillés, celle qui t'a mis au monde. Al brafa nyana, koni mabo masayako, koi du toaro. Koni bamo, ta propre maman, hein, ta mère biologique, pas une autre mère, t'a dit clairement, parce qu'on l'a dit, parce qu'elle aime les fétichés. Ta maman aime trop les sacrifices. Et les gens ont été très clairs envers ta maman. Que si tu ne quittes pas derrière le pouvoir, si tu insistes de rester au pouvoir, quoi kunditoaro. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Même si l'enfant est cow-boy, est canaille, nate même des madaï. Les mamans aiment leurs enfants, c'est naturel, c'est inné. Quelle que soit la situation. Mais, même ton épouse, j'ai vérifié l'information. Effectivement, ton épouse, Lauriane aussi, t'a demandé de ne pas insister à rester au pouvoir. Elle est française, hein, elle a tout gagné. Ce qui va arriver dans ce pays-là ne concerne pas la dame-là. La dame, elle est française. Toi, tu es semi-français. Mais malgré ça, non. Est-ce que mais ce n'est le problème. Ce qu'il était, ce n'est pas toi.
il y a des personnes autour de toi. Yannick, comment vas-tu? Des personnes autour de toi. Eux là, ils ne veulent pas le pouvoir. Hein. Ils ne veulent pas le pouvoir. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait dans ce pays-là, par rapport à ce qu'ils ont causé comme dégâts dans ce pays-là, par rapport à ce qu'ils ont fait à la population de ce pays-là, par rapport aux tueries, aux vols, il faut que tu restes au pouvoir pour les protéger. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, hein? Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Il n'y a pas... Parce que tu es le garant de l'Est. C'est-à-dire que tu es la sécurité de tous les vols et les... Et ce qu'ils ont causé comme dégâts. N'gog Bansane. Mais les plus intelligents, les membres de ta famille là, tu prends Ismaël Kondé, tu sais très bien qu'Ismaël Kondé, Ismaël Kondé Meoudi, Ikalon, il était, c'est lui qui avait dit devant qu'il était de l'IFDG. Il a combattu le RPG. Il a fait la prison. Aujourd'hui, il a été maire, il a été limogé, il a détourné Ikalon. Pourquoi vous ne l'avez pas reconduit? Il y a un problème de 6 milliards, Bekalon. Il dit ça à Bessité là, tu vois Mandian Traoré. Il était DG aux travaux publics. C'était leur groupe là avec les Traoré là. Ils ont détourné. Les gens là ont déposé des cautions pour ne pas aller en prison. Où les campagnes là, il dit ça à Bessité là, tout ceci là, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Je ne m'adresse pas aux musiciens. Les musiciens, excusez-moi. Je ne parle pas des musiciens. Les musiciens là ont chanté pour nous. Donnez-moi le nom d'un artiste aujourd'hui qui chante pour toi et qui n'a pas chanté pour le RPG. Il n'y en a pas. J'ai fait la campagne de 2010 avec Faux de Kouyaté, l'artiste, avant qu'il ne rejoigne les États-Unis. Nous avons les images de Singleton sont sur la toile. Et la Singleton, le langue, le salaud, il a chanté. Doudou Béni, il n'y en a pas. Takana Jayon, tout ceci, il n'y a pas un qui n'a pas chanté pour nous. Ils pensent que c'est... Parce que voilà ce qu'ils se sont dit. Actuellement, il n'y a pas d'activité. Ils sont dominés par les artistes de la sous-région. Ils ne peuvent pas vaincre les artistes de la sous-région. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? On dit, ah, le petit est arrivé là. Est-ce qu'on va profiter, m'a dit petit, ma. C'est comme ça, ils ont dit. Ils ont décidé, on va profiter. Sinon, tu es arrivé au point, tu as fait un an. Aucun artiste n'a chanté pour toi. Aucun! C'est qu'en clitane, il dit quoi? Tu n'es pas réfléchi. Ceux qui sont autour de toi là, c'est le marché, c'est un deal. Ils ont signé avec certains artistes là. Je veux que tu saches, Boudoumbia, mais il faut dire que c'est moi. Tu as vu, on dit Ismaël Kondé dans les chansons de certains, on dit Ismaël Kondé. Ça dit c'est Ismaël Kondé qui les a financés. Est-ce que c'est? Donc, c'est là, non, on dit petit Bumba, on a Boum, on a encore Fara, on a c'est de la Babé. C'est tout! Singleton Golo Gemé, c'est Singleton là, il a, c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'il ne sort pas l'album, parce que il n'est plus inspiré. Olé Kankai, Olé Blala Herero, il a molbe Brakuma, les gens t'ont conseillé, à Temala, ta famille est inquiète, ils sont en train de tout, parce que ce qui va arriver là, il t'a refait, parce que ce qui est grave, on ne dit, ah, ta flore, quand tu seras pris, aucun membre de ta famille ne dit que, ah, avec Benfanyana, ce qu'on nous a dit là, qu'ils vont te prendre, te mettre en prison. Mais tous les membres de la famille, avec le coup du taro, quand tu seras tué, il n'y a pas un qui ne le dit pas. Personne ne dit mais même Bekoumana, avec le coup du taro, qu'ils vont te tuer. Hein? Qu'ils vont te tuer. Il est mort au Meba. Même si on dit que si Banto Toloté, si Banto Nyate, parce que quand la fin du pouvoir arrive là, tu n'entends pas, tu ne vois pas. C'est-à-dire, tu te prends comme un roi, tu es au sommet. Il achète Léoudi. Aujourd'hui,
Tu es parti en Inde parce que c'est comme m'a dit. Tu as fait descendre Bailali. Il paraîtrait que la suite de Bailali vient de ta visite en Inde. Selon les informations que j'ai reçues. Tu es pas, on dit qu'il y a quelqu'un autour de toi, c'est un marabout. Il est en train de travailler, de transmettre ton étoile en lui. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes, hey, Dieu là. Personne parmi vous là ne croit en Dieu. Quand il y a quelqu'un à côté de toi là, il est en train de prendre ton étoile, c'est-à-dire prendre ton étoile pour le transformer en, en lui pour qu'il soit président. Ça, c'est Bailali. Satina là, on parle de résultats. Mais Satina ne m'intéresse pas, je parle de Bailali. Parce que moi, j'avais averti Bailali. J'avais signalé cela parce que c'est un proche de Bailali qui m'avait dit, le gars, il passe toute la nuit en train de lire le Coran. Mais ce qu'il entend, ce que Bailali entend, ce que les proches de Bailali entendent dans la chambre de lecture, c'est quelque chose qui lui concerne personnellement. On dirait en train de marabouter pour lui-même. Et bien, on se l'a dit, comment vas-tu? Aujourd'hui, tu as débarqué Bailali. Tu as débarqué ton secrétaire au Bekani pour toi. Est-ce que ça, c'est pour toi. Mais ce que tu ne sais pas, moi, je vais te le dire. En ce temps-là, il faut écouter ta maman. Je me suis très bien enfant. La vieille t'a dit, il a répété. Mansea Mentoué. Moi, Menu Kassola, ou la bo, Kassola, et la bo. C'est ta maman, elle pas que Menu Kassola, et la bo. Quand tu regardes Alia aujourd'hui, Alia est foutue. C'est les Alia qui ont pris le pouvoir de te donner. Les Bangoura, là, c'est eux qui ont donné. Les Sakouvogui, les Troma, là, c'est eux qui t'ont donné le pouvoir. Je vais rentrer dans deux ou trois aussi escrocs qui sont en train de te tromper. Tu prends aujourd'hui Bernard Gomou. Bernard est parti. C'est un forestier. Bogola Naba a été rapproché par son frère, qui est le petit de Dansakuruma. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis en train de donner les lignes. Les petits forestiers là qui sont aujourd'hui, il y a un petit Sakovoy qui est au Canada qui m'insulte parce que tu as nommé son papa quelque part. Les deux frères Sakovoy, ils sont aussi, il y a un qui est au Canada qui m'insulte partout. Je l'ai juste bloqué. Il y a un de mes administrateurs qui m'a signalé et je l'ai bloqué. Son papa a été nommé. Parce que c'est lui qui avait dénoncé le colonel de la marine Idi Amin est arrêté et fait exécuter. Il y avait, c'est-à-dire les gens sont autour de toi, ils règlent les comptes indirectement. Ils profitent de ta présence pour régler les comptes des autres. Avec le quoi de la Lecan. Non, ça rentre dans tes dossiers. Ça rentre dans tes dossiers. Je te répète encore, je le répète mille fois à tu connais. Quand tu vas rentrer, je pense que tu cherches un chef du gouvernement. La fin de Baouri est arrivée, je sais ça. Selon ce que nous avons reçu comme information aujourd'hui, Baouri sera bientôt remplacé. C'est bien fait pour lui. Maintenant, tu vas chercher, parce que ce n'est plus un problème de sous-sous. Tu vas prendre quelqu'un de Farana ou je ne sais pas d'où pour nommer comme chef du gouvernement. Ne t'aime aussi contre là, ça ne m'intéresse pas. Mais ni même Folignana, petit. Tu as vu les échecs. Échecs là, aussi la Nyonkani. Normalement, les échecs là devaient te servir d'exemple. Tout est échec. Qu'est-ce que vous avez fait en Chine, aux membres au contrôle du Masseron? Les Chinois disent qu'ils ne peuvent financer qu'au niveau secteur minier. Pas plus. Pas plus. Maintenant, le Maurice Sanda est en train de faire rapatrier nos parents. 90% des personnes qui sont sur la liste en Allemagne sont des Peuls. Ce sont des Peuls, hein? 90%. J'ai vu la liste là.
ils sont tous peu. C'est regrettable. Et Maurice Ndiaye est déterminé à faire entrer ses compatriotes. D'autres même ont été presque en phase de régulation de leurs dossiers. Au lieu de les appuyer, non, il a signé, ils doivent rentrer. Wofana et Fladi. Asabara et Mendi. Kiavi Amara. Amara que tu vois, Amara, bon, le petit Amara. Lui ne gère rien. Les gens parlent. Qu'il nous dit qu'il gère, qu'il est à son poste, qu'il travaille. Oh, attendez, je vais aider un peu les. Excusez-moi, non, une minute. Kamara me dit qu'il travaille dans son bureau. Nous savons tous qu'il ne travaille pas dans son bureau. Est-ce que? Donc, Ibrahim Raoui, si on parle de résultat, lui devait être aujourd'hui limogé. Tu le sais très bien. Amara, là, il a trop volé. Aujourd'hui, Diba Diakité est plus riche que toi aujourd'hui. Diba Diakité est plus riche que toi. Le mérite de Diba Diakité à ce poste-là, c'est parce que simplement, il a été ton tuteur pour quelques mois en France. Oui, mais c'est Diba Diakité qui connaît, qui n'a pas fait géomine, qui n'a aucune connaissance, qui est en train de gérer nos mines, Diba Diakité. Diba Diakité mérite seulement le poste-là parce qu'il a été ton tuteur. Il t'a reçu pour quelques semaines, quelques mois dans son appartement et puis à Banoudi. Le petit est devenu milliardaire aujourd'hui. Oh, il devait être limogé. Tu comprends, non? Lui devait être limogé. Aujourd'hui, vous parlez de résultats insuffisants. Mais jusque-là, nous sommes comme ça, là. C'est Dr. Kassori qui est en prison. Nous n'avons pas d'abord le compte rendu, le bilan d'abord de la récupération de l'argent de la CRIEF. C'est Damaro qui est en prison. Nous n'avons pas d'abord le bilan de la récupération des biens. C'est Oye, c'est Kourouma, je cite. C'est Seloula Lengalo qui est poursuivi pour Air Guinée. Et pourtant, ses collaborateurs sont... ses collaborateurs sont, se promènent avec toi. Aujourd'hui, dans le moment, tu devais demander le bilan, c'est-à-dire un compte rendu, à chose, un compte rendu à, comment on appelle, à Ali Touré. Mais non. Au moins, à ce moment où je te parle comme ça, là, il y a une manifestation à Farana contre le procureur. Le procureur à Farana, au moins, je te parle, ils ont pris le pont. Le pont a été bloqué par les jeunes. Il y a une manifestation à Farana contre le procureur. Son surnom, c'est procureur 5 millions. Le procureur de Farana. C'est l'ami de l'acteur ministre de la justice. Ils sont très amis. Et lui vient d'arriver, Karabakaba. Vous avez vu, il est calme, il est posé. Il est très dangereux. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi ce monsieur n'a jamais prospéré au temps de l'ancien Conté. Au temps de la liste, c'est Alpha Condé qui l'a envoyé à Farana. À part ça, non. À Farana aujourd'hui, demandez à tout le monde, ça manifeste à Farana, ils ont tout bloqué, le procureur 5 millions. J'ai fait 6 ans à Farana, je connais bien la ville. Je connais Farana comme ma paume là, Farana. Je connais les coins, les recoins de Farana, la ville de Farana, même beaucoup de sous-préfectures. Au exemple, ben. Ça te donne aucun réflexe pour dire non, ça va. À ce stade-là, tu devais te retourner, regarder l'IFDG, discuter avec le RPG, laisser mettre tout ceci de côté pour rendre le pouvoir. Merci Baldé. Rendre le pouvoir. Parce que c'est eux-là qui peuvent t'aider à rendre le pouvoir. Les gens que tu considères comme tes ennemis, parce que ce n'est pas toi qui as considéré le RPG comme ennemi et l'IFDG. C'est-à-dire, c'est tout autour de toi, connaissant la capacité des cadres de l'IFDG, la capacité des cadres du RPG, connaissant leur capacité, leur compétitivité, là, il fallait commencer par les deux partis politiques là.
Mais tu as vu les tournures jusqu'aujourd'hui là, Ibrahim et Kafour. Tout ce que vous, ils ont entamé là, à Bebrak et Echec dit. Si tu étais réfléchi, comme Satan, il t'a abandonné. Voilà pourquoi, sinon à ce stade-là, il tourne là, fond, non, je vais discuter avec ces partis politiques. Tout de suite là, tu engages la discussion, ou bien les discussions avec le RPG, l'IFDG, c'est terminé. C'est fini. Parce que les deux partis politiques, plus la société, la vraie société civile, gérée par Sako Abdou Sako, ont un bravo problème, non? Parce que le FNDC est inclus dans ça. Mais aujourd'hui, c'est la seule organisation dans la société reconnue par l'Union européenne, gérée par un délinquant, quelqu'un qui n'a pas honte d'enlever les caleçons des filles au CNT, qu'on appelle dans sa courma. Parce que c'est clair. C'est clair. Au CNT, on me dit que c'est un centre de prostitution. Merci, Tata Fomadou. Donc, c'est là-bas, c'est tous les dansas. Les Moussa Fofana qui cherchaient à partir, Moussa le petit Konyanki là, qui cherchait à partir en Espagne, qui est rentré, un escroc, c'est l'enregistreur des gens, c'est lui qui a enregistré les gens au CNT. Quand Dansa veut se débarrasser de quelqu'un, c'est le petit Moussa là, il en va en mission. Il va une tortille, parce que quand le petit là va, Moussa part, il garde le nom de Dansa. Dansa est mauvais, il est tel. Et puis toi, tu te prends maintenant, tu commences à baver. Et lui, il arrive, il donne à Dansa. Et puis, il a les preuves pour te limoger. C'est ce qui est arrivé à Fatoumata Camara, la fermière là. La fermière, la Fatoumata Camara. Demandez à tout le monde. C'est lui qui a arrêté. Ils ont arrêté la dame là, Fatoumata, la fermière là. Elle était directrice. Elle était directrice de cabinet là-bas. On l'a arrêté bonnement comme ça et puis. Il était Nagaina. Je te cite tout ça là. Parce que je te dis, je l'ai dit 2 ans avant aujourd'hui. Le retour à l'ordre constitutionnel. La paix. Le retour, la régulation de tout ce qui arrive à ce pays-là passe par les deux partis politiques-là. Mais au départ, il m'a ébri. Ouvre tes yeux, Ifan Beraka. Où sont les Ousmane Kaba aujourd'hui? Où est l'Ansara Kouyaté? Où sont les Komara ou les Kafi au départ? Tu veux réussir? Il faut d'abord fermer l'IFDG, le RPG. Ou les Kafi, où sont-ils aujourd'hui? Tu as eu la chance. Ils ont dit à l'Ansara Kouyaté de rester tranquille, ils veulent t'aider à être président parce que tu as une garantie. Lansana Kouyaté, déjà à travers notre communication, il est discrédité. Au Bible à côté. Ousmane Kaba, le monde entier connaît. C'est quelqu'un qui est endetté, qui a volé dans son pays, la Belloni. Il est récalon. Tu as une arme contre ceci là parce qu'ils ont constitué les dossiers. Puis, avec Adima, tu as les dossiers gardés. Aujourd'hui, tu veux prendre Ousmane Kaba, tu le mets en prison. C'est comme mon jour. Bekolon. Mais, nous fouillons là. Je le répète. Mais comme Itolo Beleni, tu ne comprends pas. Aujourd'hui là, ne te coumalier. Badaï. Il faut, parce que tu es en train de limoger les gens à travers les informations des autres. Le directeur général de la douane, Moussa Camara. Moussa Camara, tu sais comment il est arrivé là-bas. Moussa Camara, au temps d'Alpha Condé, il était qui, Ikalo? Il faut demander à Gena Toumani qui est Moussa Camara. Aujourd'hui, là, le bilan de la douane est à -64%. C'est super négatif. Parce que tu parles de bilan. Toi, d'ailleurs, tu n'es pas allé à l'école. Voilà, Kanya Foni. Que tu n'es pas allé à l'école, donc, moi, là, c'est-à-dire, pour limoger quelqu'un, qu'on a le bilan. Le bilan n'est pas là, le bilan n'est pas là. Quel est le bilan de Amara? Mais prenez le détail de la douane. Aujourd'hui, ce sont nos entrées. Je me rappelle les comptes rendus des recettes de la douane à travers Général Toumani. C'était des 1000 et quelques milliards de francs guinéens. Hein? D'accord. Général Toumani, lorsqu'il était à la douane, les chiffres sont là-bas. Cet animal qui parle de 2000 km. Parce qu'au B, trompé, les dit, ceux qui parlent
de 2000 km. Tout est tromperie. Parce qu'on te parle de 2000 km. Toi-même, tu sais que c'est faux. Il est calme. Tu devais te poser la question de savoir pourquoi les gens parlent de 2000 km bitumé. C'est que quelque part, il y a un projet, il y a un montant qui a été débloqué pour faire les routes. Ils ont mis la puce en avant pour comprendre, pour ne pas qu'il soit Abba Kennedy, si j'étais chef de la junte, tous ceux qui ont parlé de 2000 km, d'aller les rapprocher pour dire montrez-moi les 2000 km. J'allais vérifier des fonds qui ont été alloués à la route, aux travaux publics. Ida et Essen, Doleka au Kuma Blaye pour masquer un détournement. Mais comme Hankrita, tu n'es pas dans l'écolo, tu ne connais pas. Dans les activités comme ça, il y a des gens qui lancent la puce comme ça pour que Ako et Kuma voient. Et puis, on dit non. Et Hankrita Blaye, l'homme la Kafoué, non, Wori Mendinte, j'avais débloqué tel montant par rapport à ça. Là. On dit non, c'est les 2000 km. Sinon, quand la Guinée aujourd'hui, où on a mis 2000 km. Nous connaissons. La Guinée n'est pas grande. 247 850 km². Amabou, il bat 2000 km là, la Guinée dit. Les gens seront extrêmement soulagés. Mais comme tu n'es pas averti, Bailali aujourd'hui, c'est bien fait pour Bailali. Il faut te retourner à Dingré. Maintenant, il y a le second qui arrive, Tierno Mamadouba. Tierno Mamadouba. Et tu as vu ce qu'il a fait à la sortie de Dingré. Hein? Tu as vu? Le gars n'est pas salé, c'est un simple journaliste. Ce qu'il faisait au temps de l'ancien Conté, tu sais très bien, parce que tu étais patron des forces spéciales, peut-être que tu n'étais pas trop informé. Quand les papiers de sa famille arrivent à expiration, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui payait les gens au temps d'Alpha Condé pour qu'on. On caillasse sa voiture, il prend les photos, il envoie, il dit, voilà, le régime est en train de me séquestrer de faire ceci-là. On renouvelle les papiers de sa famille. C'est ce qui s'est passé. Tout ça, là, c'est connu de tout le monde. Faut demander à certains voleurs du RPG qui font semblant de t'aimer. Aïnika, qu'est-ce que... Aujourd'hui, c'est lui le... Il reste ce dernier qu'on appelle Tchamal. Il est le Dingiraï. Belle année de Dingiraï. Donc, on y m'a dit, nous, il n'y a pas de bilan à dire ici. Neuf ans demain, il est là pour terminer ce petit direct. Parce que mon direct concerne Ousmane Gawal, les messages d'Ousmane Gawal, les partisans d'Ousmane Gawal et moi. Et je remercie le frère Tanou de l'IFDG Paris, Europe. Voilà quelqu'un, vraiment, je ne suis pas en train de faire ces éloges, mais c'est un excellent cadre de l'IFDG. Aujourd'hui, il est témoin de ce qui se passe entre les partisans de Gawal et moi en inbox, et entre lui-même et les partisans de Gawal. Parce que j'aurais appris même que Tola l'avait attaqué pour dire qu'il est responsable de beaucoup de choses. Mais là, je prends sa défense. J'ai des preuves aujourd'hui qu'il est attaqué, harcelé, et il est en train de défendre bien le parti. Ça, je le sais. Mais c'était l'objectif de monter ce soir-là. Mais je devais dire à Bailali, le temps de Dieu là ne finit pas. C'est le temps de l'homme qui finit, Bailali. Mais le temps de Dieu, non. C'est vous qui avez menti sur ces loups. Moi, j'avais le document là. Selon toi, Bailali, Selouda Lendialo aurait effectué un voyage aussi. C'est parce que c'est sur Gawal Bakundara pour rencontrer un monsieur qu'il avait dit qu'il ne sera jamais président. Voilà. Qui ne sera jamais président. Ah, Bailali. Selon lui. C'est-à-dire, nous avons tellement d'explications. Ils nous ont expliqué comment les Allah ont été recrutés à la fonction, auprès de Doumbia. Mais c'est déplorable. Sur des dits, les gens ont défendu certaines personnes. Ils sont venus faire la promotion des médiocres, et cela a été pris comme ça. Selon lui, Bailali, tout est venu, c'est lui qui avait gâté la chambre de celui d'être pris. Voilà des trucs comme ça. Et pourtant, selon une de tes cousines, une de tes nièces, dimanche, Oda Hundi Kwa Waliou, c'est-à-dire, tu connais le courant recto verso, Oda Wajangu d'Algroa, d'une manière là, si tu le fais, quelqu'un va rester. Des trucs comme ça.
beaucoup de foot, beaucoup de futilité. Et pourtant, moi, je me rappelle. Je me rappelle lorsqu'on faisait la deuxième année, on avait un ami. On avait un ami. Et il, un ami. Il est où même actuellement là? Il est en Angola. Il nous faisait prier à l'université. En même temps, il donnait des cours à certaines filles à là-bas. Mais lui, c'est tout récemment, il m'a parlé de ton comportement. C'est un ami. Il dit, Gento, nous avons eu le même Karamoko. C'est lui qui m'a expliqué la façon de lire le Coran d'une manière pour être un malfaiteur. Mais c'est ce que toi tu as fait. C'est ce que toi tu as fait. Il dit, je t'ai entendu parler, il est Waliou, il est fils de Waliou, il est comme ça, et il faut te tranquilliser. Il faut que Père parle. C'est après, il m'a envoyé votre photo, il dit, voilà ça, voilà la photo du vieux. Si je te dis ce que lui a fait dans sa vie, tu ne vas pas croire. Peut-être la seule personne qui n'a pas pu marabouter là, c'est Alpha Condé, mais sinon il a toujours marabouté les chefs. Il y a un verset, il y a un passage du Coran où tu prends le nom de la personne, tu mets pour vérifier son état tout autour. C'est des trucs comme ça, non, et Kitty. C'est ce qu'il a appris. Donc quand il fait des choses devant toi, au départ, à Holotomo, mais c'est au fil du temps, tu vas découvrir que c'est un malhonnête, avec son âge là. Donc laisse tomber, arrête de dire que c'est un Waliou, c'est un ceci, cela, il faut arrêter. Arrête ça. Aujourd'hui, tu as été débarqué. Je sais que Danza va te recruter, va te récupérer. Parce que tous ceux qui ont été limogés là, ont été récupérés par Danza. Donc, Doumbouya, je le répète, je mets quiconque à défi, Kafokono, que tu n'es pas parti en Inde. Je vais me limiter ici. L'information que j'ai reçue de celle-là aujourd'hui me touche beaucoup. Voilà, Baba Sorab, voilà. Ce que j'ai reçu de cette dame générale aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. La réalité, elle a dit, la vraie version, ce qui est arrivé à son mari, pourquoi elle a fait profit bas, ça là. C'est regrettable qu'elle finisse comme ça. Vous l'avez fait monter, vous l'avez piégé. Vous avez fait beaucoup, on ne fait pas ça à une femme. Mais je me limite là. Ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Regardez, c'est lui. Regardez le vieux. Le gars là, regardez-le très bien. Ça, c'est les Satan. C'est-à-dire, les Satan vivants. Quand on dit, voilà le Satan vivant. On prend le nom de la personne, on met au milieu des paragraphes du verset du Coran. On met là-bas, il vérifie. Je vais laisser Satine là-bas. Gologeme. Tu as vu Gologeme, te voilà Gologeme. Ça c'est le RPG. C'est-à-dire, vous avez travaillé pour nous. Regardez Gologeme. Il a travaillé pour nous. Regardez, regarde. Wallahi. Ça là. Tu as vu le suivertement Adidas là. Regarde ça. Le suivertement Adidas à Nilo aussi. Je le jure, c'est 10 dollars. Et t'en as envoyé maintenant, qui c'est 10 dollars. 10 dollars, Nara. Ça dit, Nara Adidas, à nylon, Nara Mans, donc dit, c'est 10 dollars. Tellement que tu es tombé, à artiste international. Mais port noir, ok. Port noir. Et voilà, René Moutambéré, tu as travaillé pour nous. Nous avons employé, Mobile employé, René. Regarde-toi.
Imato, casque. Hein? Imato. Tu as travaillé pour nous, tu as travaillé pour le RPG. Nta mon artiste na ham wole mutambe. Vous êtes les rejetons du RPG. Mon champion, Ituré Mandemoule Amara. Ngeki Léona, on appelle vidéo là, je ne sais pas si tu étais occupé bas. Ou tu, je ne sais pas ce que tu étais en train de gérer. Donc restons concentrés. Je voulais vous montrer ça. Nous voulons dire merci à ces mamans-là. Suivons ça. Je recourais Moussel Le Boni qui a réclamé Alim Solo, Télé Somana Mena. Couriture de professeur Alpha Condé. Pourquoi le Falena? Anna Babakana. Anna Kakana. Aina. Babakana. Aina. Toyena. Toyena. Alpha. Toyena. Alpha. Toyena. Alpha. Adina Batana. Anna. Batana. Anna. Adina Batana. Adina. Batana. Adina. Adina Kadenu. Je ne crois pas bravo. Pourquoi le professeur est allé? Mansaka Tonoma. Allez le batte. Bon, allez le. Vivre professeur Alpha Condé. Ntamena, ntamena, vivre professeur Alpha Condé. Retour Alpha. Retour Alpha. Merci bien. Alpha, retour Alpha, retour. Vous avez vu, on n'achète pas l'amour. C'est les deux partis politiques qui peuvent faire ça. Ça dit, les militants se lèvent. Les mamans se lèvent. Il faut voir les femmes ici là. Regardez les femmes ici là à New York. En train de se bousculer pour celui d'Alain Diallo. On ne force pas l'amour. Hein. L'amour là, on ne le force pas. On ne force pas l'amour. Regardez les mamans, regardez les vieilles mamans là. Vous demandez, les femmes là, elles n'ont rien gagné du RPG. Les femmes là. C'est-à-dire, ils n'ont rien gagné. Ce qu'ils ont gagné du RPG là, c'est le courant qu'on a donné à Zélé Kouri. Et puis à Kakonko, ben, les activités prospéraient à Jérékoï. C'est tout, hein? Les mamans là, aujourd'hui, c'est le 5 septembre. Elles se sont habillées. Elles, comme je l'ai dit hier, j'ai demandé qu'on aille au siège. Les gens se sont habillés. Sont partis dire, vous avez entendu? Personne ne les a payés. À Philadelphie, ici, là, celle n'a pas tenu meeting ici, là. Mais allez, il fallait être à l'hôtel. Ils étaient là-bas. Les gens ont payé les 2 dollars, 10 dollars, 15 dollars ici à Philly pour aller jusqu'à l'hôtel. Et puis il y avait le péage. Ils ont payé le péage, ils sont partis. On n'achète pas l'amour. Ça là, à Tessana. À Tessana. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit, ah, on veut faire un mouvement pour Doumbia, on est au corps de la mini. C'est une junte militaire. Mais quand on dit tout de suite là, le RPG a un meeting ici là, on dit non, l'IFDG a un meeting. Personne ne demande l'argent. Mais on dit le CND organe, on dit au corps de la mini, Mouassiga. C'est ce qui va se dire. Le sacrifice aussi a été enlevé. Attendez, je pense que au Fana Imbolo. Sacrifice pas belé belé, ole bora. Mais c'est bon, il fait nuit déjà. Acacia, trop même. Regardez-le. Le gars de l'Irlande, regardez. Excusez-moi. Vous avez vu sa chaussure là? Regardez sa chaussure. Ah, sa chaussure là, c'est 20 dollars. 20 dollars. Il est chez moi ici. Ça, c'est. Il est avec. Voilà, il est avec des amis. Lui là, c'est un ami. Je le connais très bien, Souma. Parmi le Dieu de Sarko, comment vas-tu? C'est le monsieur là aujourd'hui qui organise les kidnappings des gens, le monsieur là.
celui qui organise les kidnappings des gens. Donc, on se reprend demain. Mais Yahabi, bonsoir, comment vas-tu, ma Djadja? Donc, on se reprend demain, Inch'Allah. Demain, nous allons parler de... Ah, Burlington Factory, voilà, Burlington, voilà. La souci là, pourquoi j'ai dit, parce que j'ai payé ça pour un jeune frère, c'est-à-dire j'ai payé ça pour mettre dans le fût, pour envoyer à un frère. J'ai payé ça à Burlington ici, c'est à Burlington même ici. Quand tu vas à Berlin, j'ai payé, c'était entre 10-15 dollars comme ça. C'est des 10-15 dollars. Le gars là a quitté l'Irlande, il est en Irlande, il est rentré au pays. Il est chargé d'organiser le kidnapping des gens. Et celui qui l'a ramené dans ce pays-là, c'est un ancien du RPG. C'est des gens... C'est-à-dire, à B, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui distribue l'argent qui n'a pas travaillé pour le RPG. Il n'y en a pas à T. Aya Moklento Fanyo à T. À B. À la Sounoué, en Bessini. Demain, nous allons... Je vais vous faire passer les messages entre les gens de Ousmane Gawal et moi et de Tanou. Nous allons coordonner ça. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur aussi, dans les inbox, là, ça chauffe. Madame Yari a raison. Elle connaît. Quand vous partez dans les boutiques de Burlington, vous trouvez ça moche. J'ai dit, c'est 10-15 ans. Et à Ross même. Oh, voilà, voilà les Américains. Fatmata. Voilà. À Ross même, voilà, à Ross aussi. Oh, voilà, eux. Voilà les grandes dames. Fatmata Binta Papeba. À Ross même, hein, à Ross aussi. C'est vrai, tu as vu? C'est à Ross là, moi, je m'en vais trouver souvent les chaussures de ma fille. Ma fille là, je vais à Ross, je vais à Burlington. Bon, chez les enfants, hein, c'est là-bas, on trouve les chaussures de 20 dollars, de 35 dollars. On paye à Ross, à Burlington. Et, bon, Colts, c'est un peu cher à Colts. Mais c'est là-bas, lui, c'est les chaussures à lui porte. Et puis qu'il vient de l'Irlande. J'ai dit la chemise qu'il portait sous sa veste là, je vous le jure, c'est combien? C'est 5 ou 6 dollars. Demandez à tout le monde. Ma sœur Oum Kaba, comment vas-tu? Bonne nuit. Mais sous ma quoi à New York, il ne fait pas nuit à New York, il faut arrêter ça. Voilà. C'est à Ross même, à Ross. C'est ça même.